Maître, il faut partir. » Après m'avoir chuchoté son conseil à l'oreille, Pierre se redresse et reprend sa place parmi les disciples dans le cercle des curieux qui, depuis tous les coins du parvis, se sont agglutinés autour de nous comme des mouches. Un genou au sol, je commence à effacer du bout des doigts le jugement qui m'a été demandé. Je venais de le recopier sur le sable sous le regard haineux de ceux qui, il y a quelques minutes, se moquant de troubler la quiétude qui règne en cet endroit du temple, ont surgi en criant, tirant et poussant à grands pas celles qu'ils allaient lapider. Qui ont soudain changé de direction quand ils m'ont vu, pour venir la jeter à mes pieds, avec mépris. Poupée cassée, prostrée, que seuls des spasmes incontrôlés faisaient encore sursauter. Qu'ils s'en allaient mettre au rebut, jouets dont ils ne voulaient plus. Elles dont les cris aigus et les « non, non » désespérés perçaient depuis l'entrée du temple leur vociférations forcenées, tandis qu'il la tirait et la poussait et qu'elle s'arc-boutait pour ne pas aller au supplice où il l'entraînait. Elle, dont je ne voyais plus que le regard éploré au travers de ses sanglots, alors que, devant moi, il s'était immobilisé, qu'elle était à terre et qu'un silence de plomb s'était soudain abattu sur le parvis. C'est alors que le plus âgé d'entre eux m'a lancé, pour m'éprouver sous couvert de demander mon avis, ou avoir motif pour m'accuser moi-même. « Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a commandé de lapider de telle femme. Toi, que dis-tu ?» Ainsi, de ce que j'allais dire, dépendait la vie de celle qu'il venait de jeter à mes pieds. C'était mon tour d'être mis à l'épreuve, du « veiller et prier en tout temps » auquel j'ai coutume de ramener mon enseignement pour le rendre concret. Épreuve redoutable. J'ai fermé les yeux. Me suis concentré pour prier. Ô Dieu, toi que nul ne voit, mon Dieu, notre Père à tous deux, à nous tous qui sommes ici, autour d'elle, toi dont je sais la présence aussi bien en ceux qui nous serrent et m'observent, quand cette jeune femme dont la vie ou la mort ne tient qu'à un mot. Toi, dont je sens la présence, viens à notre secours. J'ai rouvert les paupières, regardé dans les yeux celui qui, avec morgue, venait de m'interpeller, et plongé au plus profond de lui, trouvé la réponse. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Les sanglots qui la secouaient ont cessé. De la main, elle a vivement essuyé ses pleurs, m'a fixé. Dans son regard se mêlaient l'angoisse et l'espoir. Ce qui l'avait traîné jusqu'ici n'allait-il plus la massacrer à coups de pierre? Je me suis baissé et ai commencé à tracer sur le sable ce qui m'avait été inspiré. Parole sur laquelle tout allait se jouer. J'attends. En silence. Tous ceux qui m'entourent font de même. Le temps s'est arrêté. Que va-t-il se passer? Un mouvement. L'un des accusateurs bouge, fait un pas en arrière, se retourne et part. Il s'en va en regardant par terre. Un autre en fait autant. À nouveau un autre encore. Contraint de se remettre en question devant tous, ils se retirent les uns après les autres. Arrive le tour du dernier justicier. Il reporte sur la jeune femme le regard terrible qu'il n'a cessé de darder sur moi. Puis, comme ceux qui ont renoncé avant lui et se sont esquivés, il baisse les yeux. Lui, qui cautionnait les plus jeunes en tant que plus âgés, il choisit aussi de faire un pas en arrière, puis un deuxième. Enfin, il se décide, il tourne les talons, s'en va, piétinant sa fierté. Comment étaient obligés de le faire ceux avec qui tout à l'heure il voulait bruyamment rendre ce simulacre de justice en allant lapider celle qui s'est laissée aller à tromper son mari? Mais pas celui avec qui elle l'a trompé, bien sûr. Davantage peut-être que ceux qui se sont esquivés avant lui, le plus âgé, lui
il a perdu la face. Ce qu'à l'occasion, il me revaudra. Ce qu'à l'occasion, ils me revaudront, à coup sûr. Pour l'instant, je respire. Une fois de plus, Père, mon Père, notre Père, tu m'as exaucé. D'ailleurs, tu m'exauces toujours. Aujourd'hui, pourtant, ce qui m'était demandé sortait de l'ordinaire. D'habitude, quand il me faut faire ce que tous autour de moi qualifient de miracle, ce n'est jamais dans un tel climat de haine. La voix que j'ai l'habitude d'entendre me reprend. Ceux qui se sont détournés de la sale besogne qu'ils s'étaient assignée ne te demandaient pas de la sauver. Ils voulaient juste voir comment le prophète que tu es s'en sortirait. Ils voulaient juste te mettre à l'épreuve. Pour eux, le verdict était on ne peut plus clair. Ils appliquaient la loi. La sacro-sainte loi. Merci Père. Je m'en relève. M'adresse à celle qui est toujours par terre. Personne ne t'a condamné ? Personne, Seigneur. Elle se pousse du bras, s'assied et, encore inquiète, regarde autour d'elle ceux qui sont restés. Elle n'a pas encore tout à fait réalisé qu'elle vient d'échapper à la mort. Va en paix, petite sœur. Désormais, évite de recommencer. Alors elle se lève, jette à nouveau un coup d'œil alentour. D'un rapide regard me dit merci, virevolte, se glisse vivement dans la foule qui s'écarte pour la laisser passer et disparaît. Elle ne les intéresse plus. Désormais, tous ont les yeux fixés sur moi. Qui est-il, celui-là, qui se permet de contrevenir à la loi, se demande-t-il, avant de s'interroger. Est-ce vraiment lui, le prophète, qu'ils étaient venus écouter, qui a jugé? N'est-ce pas plutôt ceux qui accusaient la femme adultère et l'avaient, comme le veut effectivement la loi, traînée là pour la lapider, qui sont revenus sur leur jugement? Et eux-mêmes? Oui, eux qui viennent de s'écarter pour la laisser s'en aller libre. N'est-ce pas eux aussi qui viennent de la gracier? Quelle est donc cette petite lueur d'humanité qui sourd du fond d'eux-mêmes comme s'ils aspiraient à ce que leur soit épargné le plaisir suspect de jouir au spectacle d'une mise à mort qu'ils avaient d'avance acceptée? Maître, il faut partir! Au-delà de la foule des pèlerins qui déambulaient sur le parvis et nous ont progressivement entourés, Pierre et André ont vu les gardes du temple approcher. J'acquiesce d'un signe de tête. Calmement, nous nous glissons à notre tour dans la foule, traversons le parvis des gentils, enfilons la ruelle qui mène à la piscine de Bethesda, sortons de Jérusalem et prenons la direction du jardin de Gethsémani où nous avons l'habitude de passer la nuit. Je me retourne. Personne ne nous suit.